T'emmène à Grenoble. Bonne vidéo, parce qu'il fait pas chaud. Bon, c'est pire après. Après Grenoble. Bonjour toi. Je suis à Riens. Je suis à Riens. J'ai mangé un pain au chocolat. Il est 10h du mat. Je suis un peu frais. C'était prévisible là. Bon, heureusement, il y a du soleil. Il n'y a pas de vent. Donc tout va bien. Et ben, je vais chez maman. Bon, là, ça devrait aller. Alors, j'ai mis mon intercom en charge. En même temps que je l'ai allumé, je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il me dit que la batterie est faible, il recharge un coup, il recharge pas l'autre coup, ce machin. Il me fait chier. C'est que j'ai encore 4 heures de route, il tiendra pas 4 heures. Ça, c'est sûr. Faut que je branche ça aussi. C'est fort d'empoigne ici, il y a beaucoup de gens. Bon, je me suis réchauffée, toujours est-il. Il va me lâcher l'intercom. Alors en fait, je te disais, d'abord j'ai un nouveau micro. Je suis trop contente de ce nouveau micro. J'espère qu'en roulant le son va être. Ensuite, tout à l'heure, je m'étais arrêtée à Riens, donc à 2h de la maison. Il est 10h. Il était 10h, maintenant il est 10h30. J'ai tout le temps, je suis à 3h42 de ma destination parce que j'ai décidé, là je vais chez maman. Et comme il fait froid et qu'il va pleuvoir, vu les prévisions météo, donc j'ai décidé de faire le trajet en 3 étapes pour pas rouler 2 fois 7 heures dans le froid et sous la pluie. Donc ce soir je m'arrête à Gières, à côté de Grenoble. J'ai pris une petite chambre dans un F1. J'ai pas voulu solliciter les copains. Par contre, pour demain soir, j'ai sollicité les copains. Et j'ai un pote qui m'attend à Vesoul. Je ne connais pas Vesoul. Il y a une chanson sur Vesoul. Hein. Bon, je la connais pas, donc je vais pas te la chanter. Et tu vois, ça fait des trajets de 5 heures. Un peu moins la dernière étape. Tant mieux. Parce que ce sera la plus pluvieuse. Et puis après, je vais rester 2-3 jours chez maman. 3 jours. Et après, je pars à Bruxelles. Je suis à 4 heures de Bruxelles. Je serai à 4 heures de Bruxelles. Ah ben, dis donc, la petite Audi, là. Je suis à 100, hein. Voilà, joli paysage de Riens, c'est un peu plat Riens. C'est avant d'aller dans le Verdon, quoi. Bon, je vais m'arrêter dans 1h30 vers 13h, 13h30 pour manger. J'ai de quoi pique-niquer, mais bon, on verra. Jolie couleur, hein? Parce que à Bruxelles, il y a un concert de Gabriel avec son groupe encore, son groupe à lui. Donc ça, je ne veux pas le louper. Surtout qu'ils ont des nouveaux titres que je ne connais pas. Et puis ça va être le tout début de leur battage pour l'EP qui va arriver. Il va arriver en janvier, je pense. Ils aimeraient bien qu'il arrive en janvier. Qu'il soit fini d'être mixé, tout ça. Tout ça, tout ça. Voilà les news. Bon, ben, enjoy, c'est joli, hein. Regarde ça. Je
suis branchée de partout. Là, j'ai l'intercom qui est branché à ma batterie amovible. Ça me sert bien tout ça. Ce sont des bons achats. J'arrive à Gina Servi. Ça grimpouille. C'est pas ça qui va faire que je vais avoir moins froid. Hein. Bon, je roule moins vite que sur ces fichues lignes droites qui vont jusqu'à Ollières là. De Saint-Maximin à Ollières, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Tu te cailles là, c'est pas beau. En plus, y'a rien à voir. T'as un copain. Tu vois, j'ai une asservie. C'est joli, hein. Je me suis couru trop ou quoi? Pourquoi il me fait ça là? Ah, fallait pas que je rentre dans le village peut-être, je sais pas. Oui, comme je l'ai pas dans l'oreille, je fais pas ce qu'il faut. Non, ça a l'air d'être bon. 1, 2, 3, ah non. C'est là Grenoble. Je prends le chemin des camions. Je laisse allumer la GoPro parce qu'il y a de jolies couleurs. Bon, puis si j'ai vraiment froid, je me suis acheté un petit gilet. Ah, faut que je te fasse une vidéo sur tout ça. Un petit gilet chauffant, le moins cher que j'ai pu trouver, qui se scratch sur le corps, tu vois. Alors le problème, c'est que ça prend quand même pas mal de place sous le blouson. Et que j'ai pas un blouson extensible. Je sais pas, on verra si c'est un bon achat ou pas. Petite forêt de feuillus, bien rouquin. C'est joli ces couleurs-là. Ah, le GPS me dit que ça tourne une côte bien, bon. Dinan sur Verdon. Je m'arrête pas, c'est plein de travaux. Regarde cette lumière. Il y a du monde, mais c'est correct, on est samedi. C'est plus des gens en balade qu'autre chose. Prochaine moto, elle aura une bulle. Et je me mettrai à l'abri derrière ma bulle et je serai trop bien pour aller voir maman. C'est fermé ici dans ce bled. C'est un peu mort. Hein. Bon, il est midi et demi, mais quand même. Je suis à Saint-Auban, à côté de Saint-Auban. La maison rose, tu sais, je te l'avais déjà montré. Demain, tu auras des paysages que tu ne connais pas, puisque je vais à Vesoul et qu'on n'y est jamais allé ensemble. Ni même moi toute seule. Bon, toi sans moi, je sais pas. Hein. Faudrait que tu me dises. C'est quoi ce bordel? Ah oui, je me rappelle de ça. C'est le bordel. J'arrive à Sisteron. Enfin, je suis pas très loin. Les bons enfants. Ah, regarde, elle est jolie cette maison. C'est une maison pour poupée. Regarde-moi ça, les nuages qui s'amoncellent là. Hey, je vais avoir la pluie, ça c'est sûr. Pas aujourd'hui, mais demain, ouais. Demain et après-demain. Je vais m'arrêter parce que j'ai froid d'ailleurs. Mais je vais passer Sisteron. Sisteron, c'est trop cher pour manger. Et ça, c'est bon encore. Je suis à moitié.
moitié. Ah bah non, je suis à peu près de la moitié, oui. La barre, elle va tomber d'un coup. Il n'y a pas grand monde assisteront aujourd'hui, dis donc. On voit qu'il fait pas beau, hein. D'habitude, on fait la queue, là. Putain, on est samedi. C'est beau. Ouais, c'est vrai. On a l'impression qu'elle va nous manger, la montagne, qu'elle va nous happer. Je vais pas m'arrêter, il n'y a pas de soleil. Ça se couvre vitesse grand V. Ah putain, c'était pas prévu pour aujourd'hui, hein, le mauvais temps. Je vais me dépêcher d'arriver à Grenoble, je crois. Oui, il faut que je passe là. C'est ça? Ouais, c'était ça. Je suis à Mison-les-Armands, je voudrais bien m'arrêter, boire quelque chose de chaud, mais apparemment... C'est la mairie, là, tu vois, c'est le centre du village, il n'y a rien. Bon. Très chouette route. J'arrive dans une ville. J'ai vu ça. Ça grimpait sec, mais ça descend sec aussi. C'est sympa. Alors, c'est quoi cette ville? Bon, ben voilà, j'ai trouvé un blacher. Hein? Mes fils, je suis attachée de partout. Bon, ben Marie Blacher, ça sera pas pour moi, c'est des connards. De toute façon, tous ces chiens, ils ont même pas un chiot, on peut pas manger dedans, il n'y a pas de salle, il n'y a qu'une des tables dehors, il fait un froid de canard. Il était accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. C'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Donc voilà, c'est pas peine, je m'en vais avec mon envie de faire pipi. Eh ben regarde, il y avait une déviation pour la Grenoble, parce qu'il y a des travaux dans le bled où il y avait Marie Blacher. Hein. Du coup, ben, c'est une toute petite route de campagne. Et du coup, ben, je me suis trouvé un coin pour me bouffer. Il y a même un beau grand tronc d'arbre. Un peu de soleil. Pas très chaud le soleil. Hein. Je vais vite me recouvrir. Et voilà. Je suis au milieu des arbres fruitiers, tu vois. C'est pas mal, hein. En fait, il y avait un moucheron sur l'objectif, donc ça devait pas être génial. Oui, c'est ça, c'est drôle, hein. C'est trop bien. Après, on va tourner dans les montagnes à l'ombre. Il va pas faire chaud. Hein. Oui, je suis bien couverte. Et encore, j'ai pas tout mis. Mais bon, c'est suffisant pour aujourd'hui. Et je pense que pour demain aussi, parce que c'est aujourd'hui que je suis en montagne. Enfin, demain, il va pleuvoir. Allez, c'est reparti. Les gens là, qui habitent là, qui sont généralement tranquilles comme Crésus. Enfin, comme Crésus. C'est quoi ce drôle de bâtiment tout en vert là? D'habitude, il n'y a pas personne à part les paysans, les gens qui habitent là. Et on a fait un gros détour avec leurs travaux là. Mais c'est pas vite. Oh les moutons! Eh, c'est eux qui tondent l'herbe, je me disais, mais ce boulot pour tondre l'herbe entre tous les arbres là. Mais non, c'est les moutons, bien sûr.
Non, oui, si, j'ai dû passer par là, forcément, la dernière fois. Il n'y avait pas tous ces roues. Il y avait ces passages à niveau qui le mettent dans des virages pour qu'on ralentisse. Le petit village perché là-haut. C'est le meilleur moment de la journée là, là où il fait le plus beau. En fait, il ne faut pas laisser passer le vent du déplacement, de la vitesse. Une fois que tu sens plus le vent, tu ne sens plus rien. C'est joli, hein? C'est joli. Mon rond. Et encore un passage à niveau, au milieu d'un petit virage. J'espère que t'as pas trop froid si vite, mais t'as l'air bien couvert. On est dans les Hautes-Alpes, hein, j'ai oublié de te dire, c'est pas étonnant que j'ai frais. Comme c'est joli. Alors, on rentre dans la montagne, là, je vais avoir froid. Mais je suis bien, je suis content. Comment il a fait pour grimper la voiture là, lui ? C'est qu'il faut qu'il la redescende maintenant. Chouette paysage, j'adore moi. J'y vivrai pas, hein ? Non, trop froid pour moi. Trop froid, trop encaissé, ça me fait penser à Chamonix où j'ai tant vécu. Non. Fini ça. On est à Probouèche. Vous sentez là ? Il y a un petit café là, oui. J'avais bien un café un jour. La première fois que je suis allée chez maman. Ici. Il y avait un monsieur qui m'avait branché sur Mélenchon. Magistral. Et voilà, on s'enfonce dans la montagne. J'ai mes lunettes de soleil, elles vont pas me servir à grand chose là. Nous sommes à la Forie. On a encore passé quelques passages à niveau. Regarde comme c'est joli. Ça a l'air un peu manouche. En plus, il y a beaucoup de caravanes, trucs comme ça. Ouais, c'est très manouche. Bon, c'est pas une critique, hein. Du tout. Moi, j'aime bien les nomades. J'aime beaucoup. Alors, même si ceux-là sont plus nomades, ils l'ont été. Regarde la grosse antenne là. Par contre, ça, c'est moche. J'ai pas si froid que ça. Hein. C'est incroyable. J'ai frais, très frais, à grand frais. Mais pas vraiment. Je me gèle pas. J'ai bien fait de partir à l'heure à laquelle je suis partie, tu vois. Je voulais partir plus tard, et ben j'aurais été une heure plus tard ici, et peut-être que j'aurais vraiment eu très froid là, par contre. Tu vois, c'est ça, t'as vu la moraine là, enfin, ce que moi j'appelle la moraine. C'est pas une moraine ici. Les pierres qui sont au bord des rivières ou des torrents. Il y a un lit de pierres de chaque côté. Ben en fait, c'est comme ça qu'est constituée la moraine au pied des glaciers. Et c'est de la couleur des maisons de Haute-Savoie. Alors, nous arrivons à l'Aisne, bon. Ouais, les volets rouges, ça fait du bien hein, sur une maison. Ouais. J'aime beaucoup quand les volets sont peints. De couleurs un peu vives, un peu éclatantes. Je sais pas pourquoi on dit passage à niveau. Un niveau de quoi ? Des fois, il y a des mots comme ça dans la langue française que je comprends pas.
C'est plus explicite dans l'autre langue, ça veut mieux dire ce que ça veut dire. Bon, je sais pas comment on dit passage à niveau en anglais. Machin traîne, je sais pas quoi traîne, hein, forcément. Mais nous, on met pas le train, on met le passage à niveau. Parce qu'on a nivelé le terrain pour que les gens puissent passer, je sais pas. Que malgré la... Ah oui, on a nivelé la hauteur des rails, on les a enfoncés dans le sol pour que les voitures puissent passer sans faire badaboum, badaboum, badaboum sur les rails. Possible. Tu vois, hein, mes cogitations motocyclistes sont vachement importantes. Ça, c'est des cogitations, ça va changer le monde. En attendant, ce qui me change, moi, c'est les couleurs de ces roches. Ça me fait chaud au cœur. Cette bande-là, au milieu, ils sont toutes les routes de France et de Navarre. Je pense que c'est pour la fibre, quelque chose comme ça. Ils nous ont bousillé toutes nos routes. Toutes nos routes. C'est ce qu'ils sont en train de poser dans les gorges de Lyon. C'est pour ça qu'il y a des travaux. Et là où c'est posé, mais ça hoquette tellement, c'est tellement mal fait. Tu peux pas rouler dessus, tu as l'impression d'avoir le hoquet. Alors ils venaient de nous refaire une belle grande route, dont j'aimais pas le bitume, d'accord, mais ils venaient de refaire la route, merde. C'est nos impôts ça, tout ça. On va repayer deux fois une route parce qu'ils ont pas calculé qu'ils allaient mettre la fibre. Non mais attends, c'est débile. On marche sur la tête en France. C'est comme je t'en racontais une bien bonne. J'envoie un chèque à ma banque en ligne. J'ai une banque en ligne. Donc je ne peux pas déposer de chèque. Il n'y a pas de bureau physique. Donc je l'envoie en sans timbre parce qu'ils ont une autorisation. Ça s'appelle libre. Libre, je ne sais plus. Deux jours après, trois jours après, la lettre me revient. Heureusement que j'avais mis mon adresse au dos. Hein. Le chèque me revient. Je demande à la. Je chope la factrice, je demande pourquoi, elle me dit je sais pas. Elle me dit j'ai vu que c'était votre nom au dos de l'enveloppe. Tiens, on va faire de l'essence. Il serait temps parce qu'après j'ai plus y pensé. Et ben figure-toi, je lui explique. Elle me dit après, elle me dit mais il n'y a pas de timbre. Je dis bah oui, c'est normal, c'est une libre. Les timbres sont prépayés si tu veux par l'entreprise à qui tu envoies. Je ne savais pas que ça existait. Une factrice. Hein. Oui, 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 c'est comme ça. Ouais, je fais l'essence. Ça y est. Bon, c'est du 95 E10 à 1,92. Je ne sais pas combien peut être le 98. Bon, bref, ça doit être la plus chère du coin. Luce la Croix-Haute. Enfin, on passe pas dans Luce même. Hein. Lui c'est pas là, tu sais, j'y étais allée, je t'ai fait montrer, il ne va pas aujourd'hui. Deux fois je suis allée. Et deux fois je t'ai montré. Et même que l'autre, la fois d'après, je voulais retourner. Je me suis plantée de route, je suis partie dans le mauvais sens. J'ai pris un col qu'il ne fallait pas prendre et puis qui était barré, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Le bordel. Parce que Waze, il n'arrivait plus à me trouver la route en fait. Il était perdu. Il n'a jamais réussi à me retrouver la route. Il a fallu que je trouve des panneaux. Je me souviens de cette route, ils ont refait des coins, super sympa à moto. Hein. Il y avait une espèce de marque au sol, voilà, et ça glissait vachement en fait. Là non, elle est presque effacée, elle glisse plus. Je sais pas comment ça va cette route. C'est la troisième fois que je la prends. Donc c'est la troisième fois que je vais à Grenoble par cette route-là. Ils avaient annoncé un radar, mais il y a tellement de virolos que... Je sais pas. Je n'ai pas vu le radar. T'as vu la neige? Oui, il neige là-haut, sur les sommets. Il ne doit pas faire beau à Chamonix. Parce
Parce que Chamonix, c'est à 150 km de Grenoble, c'est pas très loin, hein. C'est à 2 heures. En passant par les gorges de l'Arly, 2h30, parce que celles-là, elles sont croquignolettes. En fait, ils ont refait les virages, surtout dans cette route, parce que c'est le gel, ça. Elle est défoncée par le gel, les poids lourds et le gel. Pff. Les cars, les bus et les poids lourds. C'est pas ma petite moto qui abîme, hein. Mais d'ailleurs, là, les chaînes vont être obligatoires rapidement. Hein. Faudra peut-être pas que je passe par la retour, parce que je risque d'être emmerdée par la neige ou le gel. Parce qu'en une semaine, ouais, ça peut s'y mettre bien, hein, l'hiver. Ouais, elle est sympa cette route. C'est dommage qu'elle soit si fraîche. Ah, c'est pas là mon petit. Si tu pouvais me boire un petit café, fumer une clope, là, ce serait bien. J'ai pas l'impression que ce soit ouvert. Terrasse. C'est fermé le café. Voilà, un village. Allez. Alors Renault, non, c'est pas bon. Oh là là, il va rien y avoir. J'ai besoin d'un peu de soleil là, hein, j'ai froid. Regarde la mèche. Et le soleil dessus, c'est vachement chouette. Moi, je me suis arrêtée. J'ai enfin trouvé un café. J'ai mis un chocolat chaud bouillon. Je suis presque arrivée, en fait. Mais comme là-bas, il n'y aura pas de trucs chauds. Donc, je me suis arrêtée. Ça y est, le soleil se couche, tu vois. J'ai bien fait d'arriver tôt. De partir assez tôt et d'arriver tôt. J'ai 10 minutes de trajet, bah tant mieux. Eh ben, je suis pas la seule. Pas de problème, faut que je mette là. Là, c'est bon. Ouais, mais je vais tourner. Attendez, ben, je vais me pousser un peu. Bon, c'est pas grave. C'est un peu lourd. Non, mais ça fait rien, moi. C'est juste parce que je veux me tourner. Ah, oui, je vais réavancer, ouais. Mais c'est chiant à reculer, hein. Ah, ben oui. Hop. Voilà, ça va comme ça. Eh ben, j'ai bien froid. Merci beaucoup. Bon, voilà mon petit F1. C'est trop cool. J'ai vu sur les montagnes parce que voilà, le gars à l'accueil, c'est un motard. Il n'y avait que sa moto sur le parking moto, donc il est venu la bouger pour que je mette la mienne. Il m'a fait un prix pour la chambre, il m'a donné la chambre au même prix que celle que j'avais réservée, mais voilà, avec la salle de bain. Et puis ce soir, ben, je vais manger en bas avec lui. Mais c'est vraiment encore plus petit. Ils ont réussi à faire encore plus petit. Il n'y a plus de table, tu vois. Il n'y a qu'une petite tablette pour mettre l'ordi, et encore, je vais devoir la mettre par terre. Ouais. Et même s'il y a un tabouret, je mettrai sur le tabouret. Ben écoute, voilà, ça y est, j'ai chaud. Je suis bien contente d'être arrivée. Je vais débarrasser la moto.
Et puis je vais mettre tout ça, tout ce qu'il y a sur toutes les vidéos que j'ai faites aujourd'hui, je vais les mettre dans l'ordi. À plus.